Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur A Plague Tale Innocence en compagnie de Rodrigue, Rodrick et du fameux livre qui doit pouvoir sauver notre frère. Donc le but pour nous maintenant, c'est de nous enfuir. Il est de dos. Je peux me le faire. Hors de l'université. C'est quand tu veux. Wow, il peut nous débarrasser d'un ennemi comme ça. Vas-y. Ça c'est pour mon père. Oh, il est trop fort. Tu fais ça souvent? Non, mais j'y prends goût. Wow, trop bien. C'est mon compagnon préféré. Tiens-moi au courant. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. Oh, trop bien, ça c'est de la coop. Ouais, je peux faire diversion et j'ai trouvé comment faire diversion. Attends. Tiens, on va former une équipe de choc. Il m'a vu. Équipe de choc, ouais, tu parles avec une débilos. Tu peux le tuer là? Oh non, ils sont 50, c'est mort. Ouais, non, mais en même temps, t'es avec une débile mentale. Alors toi, t'es trop fort, moi, je suis trop nulle, donc... compliqué comme ça. Ok, alors... on va trouver un autre moyen de faire diversion, du coup. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. Je peux ramasser ça. Déjà, je vais ramasser les trucs. Il va pouvoir venir. Je peux faire diversion. Ouais. Je vais essayer de faire diversion. C'est quoi ça? Va bien voir. Le bruit. C'était quoi? Occupe-toi. Vas-y. Wouah, trop fort. Bien joué. J'y suis peut-être parlé un peu fort. Non, t'inquiète. Jamais trop fort avec les méchants. Oh, ils ont des trucs sur eux, trop bien. Ok, on finit de fouiller la pièce, voir si on peut ramasser des trucs éventuellement. Oh, il y a un coffre. Oh, mais je suis déjà full. Oh, attendez, est-ce que je peux pas refabriquer des trucs? Voilà, pour plus être full. Super. Est-ce que j'ai de tout maintenant? Ouais, très bien. Ok, après je peux peut-être en refabriquer inventaire plein. Ouais, c'est parfait. Moi, bon, ça, je suis inventaire plein ou pas? Non. Ok, super. Maintenant, je peux ramasser Lucas, plus de trucs. Oh, il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. Une pierre de lecture pour lui offrir. Trop bien. Après des siècles d'ignorance, les théories sur le fonctionnement de notre vision se multiplient. On commence par croire que notre œil envoie des rayons révélant les objets autour de nous, avant de comprendre l'inverse. Les problèmes de vue commencent également à trouver des solutions, avec la création de lunettes sommaires améliorant la vue de près. Trop cool. Il va être trop content. Ah, c'est pas table, pardon, c'est retour. Ok. On va juste retourner 2 minutes de l'autre côté. Récupérer les trucs que j'ai pas récupérés. Est-ce que j'avais oublié qu'on pouvait refabriquer des choses sur nous et donc ramasser des ingrédients. Ta-da-da. Ok. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, on continue notre chemin avec notre super copain. C'est parti. Donc là maintenant, l'objectif c'est de sortir et de rentrer chez nous, de notre petit fort détruit. Oh, plein de trucs là, c'est cool. Alors, comment on va s'en débarrasser de ceux-là? Ils sont deux, ça va être J'aime pas rester à deux, on s'en prend un chacun, ça te dit? Faut bien qu'il fasse celui avec le casque. D'accord. C'est juste une question de rythme. Juste une question de rythme. Lequel a un casque?
Alors je suis désolée, vous devez le voir très bien, mais moi j'ai le soleil qui se reflète dans l'écran et je ne vois absolument pas lequel a un casque et lequel n'a pas de casque. Au pif. Tu me le diras pas deux fois. Vous voilà. Ouh. J'ai absolument pas pris ce qu'il fallait. Il se relèvera pas. Non, tu peux me croire. Je suis une débile. J'ai gâché de l'odoris. Super. Je vais en refabriquer du coup. Et puis je vais mettre sur la pierre parce que de toute façon, ce que j'aime bien, c'est lapider les gens. Donc du coup, j'ai pas trop besoin de l'autre truc. Hop. Ok, on va les fouiller. Super. Bon, les autres que j'ai tués, ils devaient avoir un truc sur eux, mais juste, j'ai pas vu. C'est dommage. Alors. On peut monter. Tu es là, hein? Oui, tu es là. Arrête d'être derrière moi, ça me perturbe. Ok. Oh, dis-moi que ça mène dehors. J'ai pas l'impression. Ah, super. Oh, de l'air. Ça sent. La cheminée. Oh, merde. Quoi? Oh non, un incendie. Merde. C'est nous qui avons... Propage. Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur. J'en sais rien, moi. Oui, il est dedans. Et donnez l'ordre de l'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Mais tellement. Putain de rat. Il manquait plus que ça. Oh, les rats. Yes. Il est intouchable, Rodrigue. Attends. Quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Oh oui, trop bien. J'ai essayé, mais... Merci beaucoup d'essayer. Oui. Je suis trop contente d'un nouveau sort. Alors, c'est ça? Ok. On va en fabriquer plus, hein, on en a pas assez. Ok. Attends. Un truc cool! Surtout pour eux. Vas-y, vas-y, on a le temps là. On y va, on y va. Tous les livres vont brûler. C'est pas ta faute. Pense à ton livre. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que les gamins ont mis le feu pour se tirer. Si je les chope, mon délire. Je peux éteindre la torche aussi ou pas, vous croyez? Ah ouais, je peux. Ah, trop cool. Ah, ça, c'est juste trop bien, en fait. Ah, je pense que c'est ça. Yes. Trop cool. Ah, il y a plein de rats. Mais j'ai mon... comment ça s'appelle? J'ai un truc. Luminosa, c'est ça. Je vais en refabriquer. Ok, on se remet sur la pierre. On y va. Super. On avance. Allez, c'est parti. Ah, d'accord. Ça, c'était juste un petit bonus. Ah bah, tant mieux. Écoutez, moi, je dis oui, un bonus. Carrément. Donnez-moi plein de trucs. Voilà, hop. Et là, on peut... le somnum peut être lancé à la main. Une autre amélioration du récipient, adaptant le somnum à la fronde. Amicia peut désormais endormir un ennemi à distance, sans s'exposer physiquement. Ça, c'est bien. Les instruments... Cela raccourcit le temps de préparation des munitions. Non, ça c'est plus utile. On va pouvoir le balancer à la main, c'est mieux. Ça m'a l'air bien mieux. Ouais. Ça, je vote pour. Ok. Je peux ramasser d'autres choses. Non, on a tout. On a tout, super. Bah écoutez, du coup, la suite n'était pas là. La suite était donc ailleurs. Je peux pas passer là ? C'était là, ok, d'accord, super.
On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. Ouais, mais attends, d'abord je prends mes munitions. Ah, ok. Ok, ok. On va par là. Par là. Qu'est-ce qu'il me faut? Un terre-plein. Putain, non, non, non! Ça va? Ok. Il y a encore du monde dedans! Même les gardes, ils sont attachants quand ils sont désespérés. J'ai cru que j'y passais. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Qu'est-ce qu'ils foutent? Deux gardes. On doit en faire bouger un. On peut en faire bouger un. Attends. Attends, pousse-toi, 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 Rodrigue. Attends, il y a un truc là. Ok, on va faire ça. Un pot et du feu. Qu'est-ce qu'il y a avec du feu? Amicia. Oui. Mais j'ai plus de feu. Ok. Ouais, ok, j'ai compris ce que tu voulais que je fasse. Je peux le faire. D'accord. Tu peux t'occuper de lui. Compte sur moi. Quoi ? Il y a quelque chose là-bas. Mais arrête de faire la con, là. Je le savais. Attends. C'est quoi ? Ok. Qu'est-ce qui va laisser ? Inspire. Ça va ? Ah. Ouh. C'était tendu. En fait, j'aurais juste pu la tirer là, mais je sais pas pourquoi, je sais pas. Et puis j'aurais juste pu leur envoyer les rats, mais j'ai bugué. Qu'est-ce que je fous là? Je fais des bêtises. Ok. On avance par là, tranquille. Où est la suite? Truc. Ok. Je vais en refabriquer un. Voilà, super. Où faut que j'aille? Ah, parce que là, mes cailloux, je les ai balancés, mais n'importe comment. Ah, vers l'incendie. Ah non! On va vraiment entrer là-dedans. Ouais, si tu veux respirer, c'est maintenant. Allez. Ah, ça chauffe et je... J'ai un peu peur. C'est quoi cette musique? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Et fais gaffe à ton livre. Ils sont là. T'occupes pas d'eux. Ah. Oh, Seigneur. Rodrigue, j'ai peur un peu là. J'aime pas le feu. Non, attends. Attends. Derrière. Ouvre! N'approche pas! Qu'est-ce que tu fais? Ouvre! Loupe-la! Ah! Est-ce que ça va? Cours! Meurs pas, meurs pas! Meurs pas! Meurs pas, meurs pas! Putain! Allez! Par ici! C'est trop tard, c'est trop tard, Amicia, c'est trop tard. Merci. Oh putain, je crois qu'on n'y arriverait pas. Ouh. Chapitre 11, envie, je crois que le nom du chapitre est bien choisi, ma foi. Putain, maintenant il va falloir retraverser toute la ville hein, pour rentrer chez nous. Alors ils ont pitié de nous, ils vont nous ramener directement avec Lucas peut-être, je sais pas. À voir si le jeu a pitié ou pas. Pas pitié du tout. Funaise.
Ils ont pitié. Merci. Regarde, la voilà. La voilà, mais pas toute seule. On a un nouveau copain. J'ai le livre. Vous avez réussi? Oui. Attrape. Je te préviens, il sent un peu le brûlé. Ah, il est tout blessé. Qui, lui? Roderick, mèche. Le sanguinis itinera. Ça raconte quoi, ce livre? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim. Quelqu'un d'autre? Moi! Alors à table. On l'a bien mérité. Toi aussi? J'arrive. Ça y est, il est enfin sauvé, quoi. Enfin. Ouh. Ah, ou pas. C'est beau, la neige. Non, non, non! C'est pas vrai. C'est pas du boulot, ça. Hé, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est rien. Dis... Cette porte, vous l'avez déjà ouverte? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière? Eh ben, Hugo dort, alors. Si, je veux bien voir ce qu'il y a derrière, si c'est demandé si gentiment. C'est quoi, ça? Ça vaut pas un garde de l'Inquisition. Mais ah, je vais pouvoir continuer à m'entraîner. Ok. Pouf. Attends, je me permets juste de prendre des... Des trucs avant. Des petits trucs que je peux trouver. Oh, il va pouvoir m'ouvrir. Je vais pas faire attendre Roderick. Toutes les portes. Trop cool. Vas-y. Un coup d'œil. Ouvre la porte. Ça, je veux bien. Moi, je sais le faire. Il est un peu perfectionniste, voilà. Non? C'était efficace. Et presque sans douleur. Allez, en avant. Oh. Tu sens ça? Non. Oui. Quoi? Quand tu entres dans un endroit abandonné depuis très longtemps, il y a quelque chose dans l'air. Oui, de la poussière? Non, non, des pierres. C'est comme surprendre une conversation. Mmh. C'est la première fois que je le sens ici. Qu'est-ce qu'il a trouvé, lui? Ça a l'air casse-gueule. On va éviter pour l'instant. Encore une porte. On continue? Oui. Bien sûr. Voyons où ça nous mène. Oh, c'est la cour. Oh. Ça fera un raccourci. Trop bien, un établi encore. Attends-moi, Roderick. Je regarde si je peux... J'avais oublié. Je peux pas. J'ai trouvé quelque chose en débroussaillant le centre de la cour tout à l'heure. T'as trouvé quoi? Encore une histoire de pierre? Ah, tu crois pas, c'est bien dire. T'es où? Je te vois plus. Roderick, t'es où? Ah, t'es là. Attends-moi un peu quand même. Qu'est-ce que Alicia, t'as trouvé? Viens voir ça. Une fresque. C'est... Ça me dit quelque chose. Elle reprend les symboles des piliers. Oui. C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et nous dire quoi, par exemple? Tout n'est pas clair. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Amicia, ils sont mignons tous les deux. Vite, quoi? C'est Hugo! Oh non. Quoi, Hugo? J'arrive! T'as besoin de moi? Oui! Je t'appellerai. Mais non, viens! Allez! J'arrive! Je suis là, Lucas! Vite, Hugo! Qu'est-ce qu'il a, Hugo? C'est de pierre en pierre. La macula progresse beaucoup trop vite. Je sais bien, Amicia. Je fais de mon mieux. J'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre, mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire. Comme celui de Laurentius? Non, un laboratoire mieux équipé. Alors,
Peut-être que chez nous... Tu sais, ma mère... Oui, elle avait sans doute du matériel. Tu as raison, ça vaut la peine d'essayer. Amicia, Lucas. Je crois bien que vos jumeaux sont de retour. Mélie, tu l'as retrouvé. Plus mort que vif. Mais oui. Amicia, on est venu parce que... Eh ben... Ouais. Arthur, tu lui dis. Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques, j'ai fini dans un cachot de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors... Ils l'ont menacé. Et j'ai entendu son nom. Elle est vivante, c'est maman ! Béatrice de Rune. Oh ! Elle est en vie ! Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça n'a pas été facile, crois-moi. Mais tu pourrais... Oublie ça. Moi, j'étais rien pour eux. Mais elle... Elle est trop précieuse pour le Grand Inquisiteur. Il... La questionne. Régulièrement. Il la... Ok. Torture ? Oui. Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourra l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra la voir? Non, on ne dit rien, c'est tout. Oh non! Hugo! Hugo! Le prochain seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi! Maintenant! Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère, je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le Sanguinis Itinera, quelques potions, et on y va. On peut y aller à trois. Le chapitre le plus court de ma vie. Ben ça, c'est fait. Chapitre 11, c'est fait. Bon, ça pour une surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Ils étaient tous très longs, peut-être parce que je suis nulle, mais ils étaient tous très longs en tout cas, donc ok. Bon bah, chapitre 12, tout ce qu'il reste. Très bien. Ok, non, on y va tous les deux avec... avec le petit alchimiste. Amicia, ça va aller, t'es sûre? Oui, c'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Tu m'étonnes. Allons-y. Attends. Je ne pensais pas revenir ici. Pas aussitôt, en tout cas. Chercher les remèdes dans l'aide, du coup. On s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. Ok, donc nous, on va s'arrêter ici, du coup, comme on a bien avancé, et on fouillera notre maison la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.